spéciale. J'avais des amis qui en avaient déjà fait avant moi et ils m'en parlaient en bien. Et donc, quand ça m'a intéressée vraiment, je suis allée sur le site pour voir s'il y avait des annonces par chez moi. Il me manquait quelques points pour valider mon diplôme. Donc, j'avais une année en fait où je pouvais pas travailler dans mon domaine et où je savais pas forcément ce que j'allais faire. Donc, j'ai tout de suite pensé au service civique parce que j'avais déjà pensé avant ma formation, mais l'occasion s'était pas présentée. J'avais 23 ans. Donc, j'ai fait mon service civique à la Ligue de l'Enseignement au sein de l'association Lire et Faire Lire. Et mes missions étaient d'un côté administratives par rapport aux bénévoles, aux lecteurs. Et d'un autre côté, quand il y avait des formations pour les bénévoles, j'étais aussi présente pour les co-animer avec, et les préparer avec la coordinatrice, les référents. Ben, beaucoup de connaissances en plus sur la littérature jeunesse, ça m'intéressait déjà beaucoup avant. Au don de soi. Je suis éducatrice de jeunes enfants, je travaille dans un métier à Cagnes-la-Roche. Avec les services civiques qui étaient là en même temps que moi, on a créé un kamishibai, donc un théâtre d'histoire, avec les histoires personnelles, des contes de différents pays, et ça parlait vraiment de nous pour certains. Découverte. Fonce. Ça permet de faire des rencontres, ça permet d'en savoir plus sur soi, sur son avenir professionnel aussi, quand on est un petit peu dans le flou. Donc c'est une bonne occasion d'avoir des réponses à ces questions.